Ah bonjour, moi je suis Sam, je suis le forgeron et je suis dans le village depuis quelques mois maintenant. Au sein d'un village du début du 20e, un forgeron, il avait une place assez centrale parce que c'est lui qui travaillait en fait tout ce qui était métal. Donc il avait des travaux de maréchalerie à faire, c'est-à-dire il fallait faire les chevaux. Il travaillait avec le charron aussi, en partenariat avec le charron pour tout ce qui était cerclage des roues. Dit que quelqu'un avait besoin d'un outil en métal, quelque chose en métal, il venait voir le forgeron. C'est une partie technique, mais j'ai aussi une médiation à avoir. Je parle avec les gens, je leur explique où ils sont, qui je suis, qu'est-ce que je fais, quel est mon rôle dans ce village. En tant qu'artisan, ce qui est aussi d'important, et c'est aussi pour ça que j'aime le métier de la forge, c'est qu'on a un savoir qu'on peut et qu'on doit transmettre. On est un peu une mémoire vivante de l'artisanat, un petit peu comme le village qui, lui, est là pour continuer à faire vivre l'histoire architecturale et puis la culture alsacienne. Nous, les artisans, on est là aussi pour continuer à faire vivre un savoir-faire qui ne doit pas disparaître.